de cette invincible amour qu'en ce jour ne sait pas se défendre. Non, car c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Cette invincible tendeur, j'en pleure en ce jour, ne veut pas se défendre. L'amour, l'amour, je t'aime, Marie, je t'aime pour toujours, toujours, mito, mito, perdre la vie, la garde de nos amours, nos amours, nos amours, nos amours. Si je t'aime, Marie, je t'aime pour toujours, mito, perdre la vie, la garde de nos amours, mito, la vie. Je l'aime. Qu'est-ce qui te l'a permis? C'est elle. Elle? Ah, ça ne se peut pas. Marie ne peut permettre de l'aimer qu'un des nôtres. Et figure-toi qu'elle a promis de n'épouser qu'un des nôtres. C'est vrai, Marie? C'est vrai, hélas. Et toc! Oui, c'est vrai! J'ai promis. Mais finalement, je resterai libre. C'est décidé, c'est tout! Je deviendrai une horrible vieille fille. Parfaitement! Comme ça, personne n'aura rien à m'approcher, ni le droit de me rendre malheureuse. Calmez-vous, Marie. Vous mariez avec moi. Mais c'est ça suffit à la fin. Vous ne me faites pas peur. Vous n'êtes pas sans peur à vous tout seul. Et si les autres veulent, vous verrez. Adieu. Je te préviens, Marie. Si je vois encore cet Tyrolien par ici, je l'arrête et je la fusille immédiatement. Quelle horreur! Pourquoi pas les tortures? Pourquoi pas la gégène pendant qu'on y est? C'est affreux ce que tu dis là! Tu n'as pas de cœur! Tu es un méchant soldat! Un méchant soldat! Oui! Un tyran! Et si le régiment pense comme toi, je vous quitterai tous sans regret! Merde! Je suis libre, moi! Je m'en irai! Je trouverai un autre régiment! C'est pas ce qui manque dans l'armée! Et j'y trouverai les papas bien plus aimables que toi! Slam! Marie! Marie! Clap, clap, clap! Hein? Donnez de l'éducation à vos enfants! Voilà l'officier français! N'ayez pas peur! Il est très laid, mais très gentil! Vous êtes sûr? Rien que l'uniforme! Monsieur l'officier! C'est madame la marquise qui vont de vous parler! Oh! C'est madame! Ils sont de drôles de têtes! Oui, monsieur le capitaine. Merci. Ça y est, je monte encore en grade. Voilà ce que c'est. Madame la... Silence, les reins. Madame se faisait l'honneur de me dire... Monsieur le capitaine, renonçant à mon voyage, je voulais retourner dans mon château. Mais nos montagnes sont remplies des soldats et j'ai très très peur. Vous avez raison. J'ai donc pensé que vous ne refuseriez pas de me faire protéger jusqu'à mon château de Birkenfield. De quoi? De Birkenfield. Mon château, vous voyez? Un château? Le même nom que moi? Vous? Ah,
Pardon. C'est que ce homme-là, il y a des choses qui coupent la respiration. Kenfield. Kenfield. Et alors, Robert? Quoi, Robert? Qui, Robert? Robert, un Français. Vous l'avez connu? Beaucoup, oui. Non, pas moi. Ma sœur. C'était ma sœur. Elle est morte. Mais de son mariage avec Robert, un enfant. Une fille. Eh oui. Son père mourut et me confia cet enfant il y a de cela 15 ans. Mais le vieux serviteur qui l'accompagnait se prit sur un champ de bataille et perdit la vie. Et la pauvre enfant, la seule héritière de toute ma fortune et de mon nom... Qui serait baronne aujourd'hui? Perdue, abandonnée, écrasée dans la foule, piétinée par des chevaux morts, la pauvre enfant morte. Sauvée, sauvée, madame de Krickenfield, sauvée grâce à nous. Oh mon Dieu. Vous êtes sûr? Sauvée par des gens formidables qui n'ont pas demandé si elle était française ou ennemie, qui l'ont élevée, nourrie, soignée, la petite. Vous la connaissez donc? Je la connais. Elle est là, à deux pas. Oh, monsieur, rendez-vous à mon enfant! Ma nièce, conduisez-moi après elle. Car vous avez la preuve, n'est-ce pas? La preuve? Oh, elle est là. Une lettre que je n'ai jamais pu lire. Tenez. Merci. Mais monsieur, cet enfant est-elle digne de son nom? Évidemment. Elle a été élevée? Parfaitement. Vous en faites pas. Oh, la vache! Qu'est-ce que c'est fort, ce type-là? Comme elles sont vulgaires, ces filles! Allons, papa, faisons la paix. Oh, quelle horreur c'était! Ça, une baronne? Alors, tu m'en veux encore? Voilà, monsieur, j'ai tout lu. Cette lettre est bien de Robert. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame? Elle dit, mon enfant, que tu es sa nièce et que voilà ta tante. Ma tante? Vous êtes ma tante? Mes parents? J'ai encore des parents? Oh, c'est chouette! Oh, mon Dieu! Ma tante, ma petite tante, embrassez-moi! Non, attendez, bougez pas. Je vais vous présenter mon père, le régiment tout entier. En voilà un échantillon. Il est pas mal, hein? Certainement, certainement. Il faut l'amener tout de suite. Le plus vite possible. Ma nièce, vous allez me suivre immédiatement dans le château de vos ancêtres. Au château? Et mes camarades? Mes papas, mes amis? Et ma cantine? Il ne s'agit plus de cela. Adieu les papas, fermez la cantine, vous allez me suivre à l'instant. Ah mais... Mais les abandonner? Mes bienfaiteurs? Je le désire et je le veux. Ah mais... Ça va, hein? De quel droit? Celui que votre malheureux père m'a donné en mourant sur vous. Mon père? Lisez. Madame, demain, on se bat demain. Peut-être je ne serai plus jeune. Remets en vos mains ma fille qui n'a que vous au monde puisse. Telle, vous payez en vous obéissant comme la plus tendre fille de toutes les bontés que vous avez eues pour moi puisse. Telle, un jour, être digne de sa famille, les Berkenfield, et vous faire oublier les torts de son père qui l'a béni, Robert.